Du Congrès, mesdames et messieurs membres du bureau du Congrès, messieurs les présidents du Conseil national de l'Union pour la Nation congolaise, messieurs les secrétaires généraux de l'Union pour la Nation congolaise, messieurs le président Haï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya. Monsieur le président du CEDER et coordonnateur du regroupement politique CODE, cohabitation des démocrates. Monsieur Jean-Julien Paluku Kahongia, président national du BIREC, président du regroupement politique ABAR-B50, messieurs les coordonnateurs du regroupement politique AAVK, messieurs les présidents des partis politiques, membres du regroupement AAUNC, honorables députés nationaux, excellences et distingués membres du gouvernement, chers collègues, chers cadres du parti, chers militantes et militants, mesdames et messieurs, chers alliés et partenaires, distingués invités à vos titres et qualités,
Mesdames et messieurs, chers congressistes, je voudrais avant de livrer le contenu de mon message à l'occasion des assises du 3e congrès de l'Union pour la Nation Congolaise, mon parti, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour nous avoir maintenus en vie et nous aider à surmonter d'immenses obstacles afin de rendre effective la tenue des présentes assises. Amen. Par la même occasion, je voudrais remercier toutes les hautes autorités du pays, le président et autres responsables des partis politiques et regroupements, pour l'honneur nous manifester par leurs nombreuses présences aux présentes assises. Je remercie également les structures du parti pour l'engagement et la conviction avec lesquelles elles ont assumé toutes et chacune les responsabilités qui sont les leurs en vue de l'émergence de notre parti, même à des moments difficiles. Les mêmes remerciements, je les adresse à tous les congressistes pour avoir renouvelé leur confiance à ma modeste personne, en renouvelant encore pour 5 ans mon mandat de président national de l'Union pour la Nation Congolaise. Vérité. Je disais les mêmes remerciements. Je les adresse à tous les congressistes pour avoir renouvelé leur confiance à ma modeste personne, en renouvelant encore pour 5 ans mon mandat de président national de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Sur ce et en application de l'article 31 quater, le statut du parti tel que modifié ce jour, mes prérogatives statutaires, j'allais dire, seront assumées par le secrétaire général pendant la période de mon empêchement. Donc j'ai parlé du secrétaire général Billy Kambale Eraston. Messieurs les présidents, messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, distingués invités, la politique est une activité prégnante qui exige de ceux qui l'ont embrassée de considérer à chaque instant l'équilibre entre les ambitions personnelles et la destinée du groupe. L'UNC, notre parti, ne s'est jamais trompé de combat. Dès le début de notre marche, nous avions placé l'union des Congolais comme objectif suprême. La capacité de notre nation à fédérer ses forces internes pour constituer un frein à l'expansion de la pauvreté et du désespoir qui en est le corollaire. Je tiens à revenir sur le sens profond de ce concept d'union, car celui qui ne le comprend pas très bien ne peut dégager la force nécessaire à la patience et à la tolérance. Nous avions compris très tôt que le secret de la bonne gouvernance dans notre pays était dans la recherche de l'union entre les forces semblables ou les forces complémentaires, mieux les intelligences au service
de la nation. La première des unions que les fils et les filles de l'INC ont manifestée est celle qui a réuni deux partis phares, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et l'Union pour la nation congolaise, INC. Vous vous rappelez tous du CASH, Cap pour le changement. À travers les Fativit, cette plateforme qui nous a amené à la victoire de l'alternance, comme l'a si bien dit et rappelé le secrétaire général dans son mot de circonstance tout à l'heure, le 24 janvier 2019, l'union exige de l'humilité et surtout de la prise en compte des différences, car même si physiquement vous n'êtes pas dans une action, si elle est tributaire d'une union, et se fera de manière satisfaisante pour tout le monde. S'agissant de notre nation et de la manière dont nous avions toujours voulu qu'elle soit gérée, nous avions inscrit notre lutte dans la conviction que notre pays ne pouvait s'éloigner de l'idée de la grandeur qui sied à son destin. Sa vocation est d'être la locomotive de l'Afrique. La République démocratique du Congo, c'est le cœur de l'Afrique. C'est dans cette optique qu'en 2018, nous avions accepté de soutenir notre partenaire du CASH à la présidentielle. Pour ne pas le citer, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car dans l'unité, nous poursuivions les mêmes objectifs, entre autres, changer le cours des événements pour donner à notre peuple une opportunité de vivre dans la dignité. Depuis lors, plusieurs chemins ont été parcourus et des épreuves immenses ont entamé notre solidité sans pour autant ébranler ça, ses fondements. Nous sommes restés debout malgré les attaques des ennemis devenus virulents à cause du succès de nos politiques publiques. Nous avions donné notre parole d'accompagner le chef de l'État dans son combat pour la refondation de l'État congolais. Et nous avons tenu cette promesse malgré les vicissitudes inhérentes à la faiblesse humaine et au triomphe des préjugés. L'INC et son président sont debout devant la nation, fiers du devoir accompli, mais conscients du chemin qui reste à parcourir, du fait de l'immense défi du développement et du retard dû à la main traîtresse de l'ennemi. Aujourd'hui, conscients de notre responsabilité, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Nous savons que la route que nous avons empruntée est la bonne. Il nous mènera vers le vert pâturage de la paix et de la prospérité. Cette route va amener le Congo, notre pays, à figurer parmi les nations libres, car elle est parsemée de notre courage et de notre détermination. Cette route est bonne, car elle nous a permis de construire un récit national fait de succès et de dignité. Cette route est bonne car elle a permis à des millions d'enfants congolais de retrouver le chemin de la lumière que confère l'école. Cette route est bonne car elle a offert à nos mamans
les femmes congolaises la maternité gratuite. Cette route est bonne car elle a permis la mise en place, le démarrage de l'ambitieux programme de 145 territoires. Cette route est bonne car elle est certainement celle qui va amener le peuple congolais au rendez-vous avec sa propre histoire, c'est-à-dire l'espérance. Il nous a dévoilé un leadership responsable et attentif aux doléances de son peuple. Comment ne pas nous réjouir du socle de cette union qui fit à la base de la naissance de l'union sacrée pour la nation INC-USN en sigle. Notre choix aujourd'hui est un choix de cœur et de raison, car notre plus grande capacité de changer les choses est tributaire de notre foi à l'avenir. Nous demandons à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accepter de porter l'ambition de notre parti à la présidentielle 2023 telle que formulée dans la résolution qui vient d'être adoptée par le congrès de notre parti. Nous sommes conscients de l'immense tâche qui attend le président de la République. Mais nous savons que nous pouvons compter sur sa détermination pour porter haut encore le flambeau de notre ambition nationale. Et tous, comme un seul homme, au sein de l'Union sacrée pour la nation, nous lui promettons notre accompagnement sans faille. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République et candidat à l'élection présidentielle 2023 à la demande de notre parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive le Congo, notre pays. Que Dieu bénisse les congressistes et tous les invités de ce jour. Je vous remercie. Tout est bien qui finit bien. Les membres du gouvernement veuillent également rejoindre le président national.